frère. Alors, tu es là, c'est tout seul, avec cette terre inquiète. Est-ce qu'il y a un problème? Je pense que je veux voyager pour la ville. Allez, en ville. Pourquoi? Tu veux me laisser ici, toute seule, et aller en ville? Frère, tu sais que depuis la mort de nos parents, tu es le seul que j'ai. Comment peux-tu partir et me laisser ici, hein? Ma chérie, tu ne peux pas comprendre. Hein? J'aimerais aller en ville et me battre comme un jeune homme. Je dois gagner de l'argent et prendre soin de toi. Regarde autour de toi. On souffre dans la pauvreté, hein? Et on commande pour manger. Ma chérie, viens par là. Lorsque j'irai en ville pour gagner de l'argent, et bien sûr que je gagnerai de l'argent, je prendrai bien soin de toi. Hein? Ok? Allez, mets-moi un sourire sur ce joli visage. Hein? il y a quelque chose à manger, j'ai vraiment très faim. J'ai fait ton plat préféré. Vraiment? Ok, allons-y. Grand frère, arrivé en ville, prends bien soin de toi, d'accord? Je prendrai soin de moi, ma chérie. J'aimerais que tu fasses aussi pareil pour toi. Reste en dehors des problèmes. Et reste loin des mauvais garçons, ok? D'accord, frère. Tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer. Bye bye. Grand maître, vas-y, je t'écoute. Une fois de plus, je vous remercie de m'avoir donné du succès. Rema Karahachi. Grand maître, je vous présente mon ami. Il veut réussir comme moi. Donc je l'ai amené au Kachalomia. Le Kachalomia. Jeune homme, j'espère que tu es préparé. Oui. Oui, grand maître. Et tu es prêt à remplir toutes les conditions? Oui. À genoux. Et maintenant, regarde bien cette épée. Si cette épée scintille trois fois, alors cela veut dire que tu es destiné à être riche. Et si elle ne scintille pas à trois reprises, ça veut dire que tu n'es pas destiné à être riche. Donc tu mourras. Re Makarahachi. Re Makarahachi. Re Makarahachi.
grand maître. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Eh bien, c'est vraiment du pur gâchis. Débarrasse-toi de lui. Susie, tu es rayonnante. Fille, ma chérie. Hein? Ça fait vraiment bon bail. Puisque tu me rends visite aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Donc je ne peux plus rendre visite à mon ami, c'est ce que tu veux insinuer. Je te connais, non? Alors dis-moi, comment vont les études? L'école va bien, ma chérie. Vraiment? Très bien. Ah, tu m'as l'air inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Ifoma. Susie. Ifioma, ces dernières semaines, mon fiancé se comporte de manière étrange, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'arrête pas de dire que le fantôme de sa défunte sœur ne cesse de lui apparaître. Oh. Ha! Honnêtement, ça me fait très peur. C'est étrange. Ça m'inquiète, je t'assure. C'est étrange. Vraiment, vraiment étrange. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Pour ma part, je ne sais vraiment pas à quoi penser. Moi, je ne peux même plus retourner là-bas, j'ai peur. Ha! Mon copain également. Il se met à rire au beau milieu de la nuit. Sans blague. Hé, hey, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Hey. Ifioma, j'ai peur. Je t'assure que j'ai Moi peur. Aussi, j'ai vraiment peur. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Oh. T'es la seule amie que j'ai. Donc je suis venue te voir pour que tu puisses m'aider à trouver des solutions. Chérie, calme-toi. Hey. Tout ira bien. Pardon. Nous devons voir un pasteur. Mmh. Oui, nous devons voir un pasteur. Cette histoire est louche. Grand maître, Egon, je te présente Johnson, mon meilleur ami. Il est à la recherche des richesses. Je l'ai amené ici pour que tu puisses le noyer dans l'océan des richesses. Jeune homme. Monsieur, qu'est-ce qui te prend? Tu dois dire grand maître. Grand maître. C'est bien. Est-ce que ton âme est prête à embrasser entièrement la richesse? Oui, grand maître. Maintenant, avance. Et mets-toi à genoux. Allez, avance. Maintenant, écoute-moi. Regarde cette épée. Si cette épée scintille trois fois, alors ça veut dire que tu es qualifié pour la richesse. Mais si c'est le cas contraire, ça veut dire que tu n'es pas qualifié et tu mourras. Mourir? Non, je ne peux pas faire ça. Johnson! Johnson! Egon! Grand maître, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Egon! Pourquoi as-tu amené un tel être humain ici? Pourquoi? Je suis vraiment... Où est-ce que tu te crois? S'il te plaît, grand maître, je t'en supplie. S'il te plaît, je peux arranger ça, s'il te plaît. Johnson! Mais qu'est-ce qu'il a foutu, ce mec? Johnson! Re Makarahachi. Re Makarahachi. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, Johnson? Tu te comportes comme un gamin. Johnson. Écoute-moi. Gagner de l'argent n'est pas pour les lâches. Mais pour les braves hommes. Il te faut des couilles pour ça. C'est pourquoi on dit Aguamogbene, Yemene Bulokata Yasekini, Nyadeba. Johnson, veux-tu rester pauvre toute la vie? Hein? Mon pote, prends le risque et rejoins les milliardaires. N'oublie pas, une fois que tu es entré dans ce temple, il n'y a pas de chemin retour. Kalobi. Je veux aller en ville et me battre comme un jeune homme. Je dois gagner de l'argent et bien prendre soin de toi. Regarde autour de toi. On souffre de la pauvreté et on commande pour manger. Ma chérie, viens par là. Lorsque j'irai en ville pour gagner de l'argent, et bien sûr que je gagnerai de l'argent, je prendrai bien soin de toi. Hein?
On peut y aller. Enfin, tu reviens. Hey, mets-moi une. Relax, relax. T'inquiète, très bientôt, tu dépenseras ton fric comme moi. Ok? Johnson. Toutes mes félicitations. Bienvenue au club des milliardaires. Merci beaucoup, grand maître. Ok, priez. Merci, grand maître. Re Makarahachi. Ma fille. Oui, maman. J'aimerais te demander ceci. Je l'ai dans mon cœur depuis un moment. Comment une si belle fille comme toi, avec un avenir meilleur, Ubachella, Bogolora, peut être célibataire? Comment peux-tu être célibataire? Maman, je pense que tu t'inquiètes. Pour rien. Je veux dire, c'est pas comme si les hommes ne venaient pas. Ils viennent, mais... Ils viennent, mais quoi? Qu'est-ce que tu attends? Hein? Maman, j'attends la bonne personne. J'attends l'homme qu'il me faut. Je ne veux juste pas épouser n'importe quel homme là-dehors. Ceux qui viennent sont tellement pauvres. Ils n'atteignent pas mon standard ou mon niveau. Donc, je préfère attendre. Tu attends la bonne personne. Oui. Et comment pourras-tu connaître quand il viendra? Maman, je saurai. Je reconnaîtrai cet homme à partir de son apparence. Il doit avoir l'air riche. Assez riche pour prendre soin de nous. Oui. Tu marques un point à ces niveaux. Et tu as raison. Voilà. Ça, c'est une bonne idée. Mais en faisant tout ça, n'oublie pas que tu es une femme. Le temps court contre la femme. La beauté d'une femme éclore au lever du soleil et disparaît au coucher. Le temps n'est l'ami de personne. Ok, maman. Grand maître. Aikon. Lui, c'est un très bon ami à moi. Et il m'importune tout le temps. Il dit qu'il veut être membre de cette grande confrérie Rema. Kosolonifa Nene, c'est pourquoi je l'ai amené ici. Parce que je sais que tu peux le faire pour lui. Je n'en parle. Grand maître, j'ai beaucoup souffert. Je suis un chauffeur de moto. Je vis au jour le jour. Je vous dis, ça ne va pas, je souffre. Pitié, rendez-moi riche. Sans t'avoir écouté, la souffrance... Eh bien, se lit sur tout ton corps. Mais je voudrais t'assurer d'une chose. Personne ne vient sur cette terre sainte et repart les mains complètement vides si et seulement tu es capable de remplir les conditions. Est-ce que tu es prêt? Peu importe ce qu'il faut, je vais le faire. Je suis tellement désespéré de devenir riche. Re Makarahachi. Re Makarahachi. Regarde-la. C'est une fille dotée d'un don.
Va à sa recherche. Couche avec elle 3 fois pendant 14 jours. Et ramène ses garnitures. Si jamais tu échoues, tu deviendras fou. Mais grand maître, où vais-je la trouver? C'est à toi d'y répondre. C'est ton problème. Rema Karahachi ne peut pas faire aux hommes ce qu'ils sont capables de faire eux-mêmes. Ekon. Grand maître. Est-ce que tu es sûr qu'il est prêt à le faire? Est-il préparé? Bien sûr, grand maître. Donc il est prêt? Il est prêt. Boss, j'aimerais que tu me rendes une petite faveur. Et qu'est-ce que c'est? C'est à propos du devoir que m'a donné le grand maître. Le devoir? C'est un devoir mineur. Boss, je sais que c'est un devoir mineur. Mais tu sais que ce n'est pas facile de coucher avec une fille qui n'est pas une prostituée. Puis-je comprendre ce que tu essayes de dire? Veux-tu m'expliquer? Boss, ce que j'essaye de dire, c'est que... Tu sais, les filles aiment les mecs qui ont de la classe. Elles aiment ce qui frappe à l'œil. J'aurais besoin d'une de tes voitures pour remplir la condition. Vraiment? Je dois être classe. Quelque chose qui frappe à l'œil, les filles aiment ça. Albany, c'est très malin ça. Tu sais ce qu'on va faire? Quand tu en auras besoin, passe mon coup de fil et je t'emprunterai l'une de mes voitures, ok? Pour de vrai? Ah! Voyons. Merci mon frère. Ne t'en fais pas. Tu vois ce devoir, je vais le réussir, t'inquiète. C'est quand même moi. Écoute, tu dois vraiment tenir ferme. Si tu veux devenir J'ai hâte moi, de devenir d'accord. comme toi. Regarde comment t'es. J'ai okay, hâte de devenir comme très toi. Très bientôt, ok? D'accord. Très bientôt, d'accord. Salut, ma belle. Moi, c'est l'ingénieur Albany. Moi, c'est Akudo. Waouh, mais quel joli nom. Tu es magnifique. Merci. Je dois avouer que tu es comme un cadeau destiné à l'homme pour le réconcilier avec le paradis. Tu as l'air d'un poète, en es-tu un? Waouh, ouais, c'est ça. Si ça ne te gêne pas, vas-y, entre dans la voiture pour que je t'amène manger un truc. Que j'entre dans la voiture? Sérieux? Allez, tu vas adorer. Allons-y. Merci beaucoup. Je me suis bien amusée. Waouh, ça tu peux le dire. J'aurais vraiment aimé t'avoir chaque jour. Et pour ça, je ferai un virement dans ton compte. Vraiment? Ouais. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Viens là, ok? Ok, allons-y. Maman, j'ai oublié de te dire hier. Avec Albany, nous sommes sortis. Et il m'a acheté des trucs vraiment très chers. Vraiment? Mm-hmm. Et il a dit qu'une fois qu'on sera mariés, on ira s'installer au Qatar. Hein? Mm-hmm. Oui. Oh, yeah. Donc, quand tu vas accoucher, mm-hmm. je vais venir à oui. Qatar pour ton nouveau. Oui, maman. Ouattago. Hey. Nous allons prendre l'avion pour y aller. Vraiment? Oui, oh. J'ai trop hâte. Merci, Seigneur. Tu es grand. Oui, maman. Je suis tellement contente. Merci. Alors, quand on ira dedans, tu me montreras ce que tu as. Ah, allons-y. Il y en a assez. J'ai pris. As-tu pris quelque chose pour moi? Maman, j'ai dit dedans.
Allons-y que je te montre. Allons-y. Maman, t'adores ça, t'aimes trop ça. J'aime ça. Ah, monsieur le milliardaire. Le puissant homme. L'homme puissant. Je t'écoute, hein. Oh, tu veux dire que le conteneur a déjà atterri? Mais c'est une bonne nouvelle. Oh, mon Dieu. Ah ouais, les affaires, ça te connaît. En fait, ce que je vais faire, c'est envoyer mes hommes là-bas, décharger la marchandise. Oui. Ce que tu as à faire maintenant, c'est... J'ai déjà ton numéro de compte. Je pense que je vais te faire un virement là tout de suite. Ouais. Le distributeur de billets, mon ami. Ok, d'accord. Salut, grand frère. Oh, ma belle petite frangine. Dis-moi, comment tu vas? Je vais bien. Ouais, elle est toujours aussi belle, ma petite sœur. Merci, bien sûr. Alors, où est-ce que tu vas? Je vais voir mon ami. Ton ami? Oui. Fille ou garçon? Oh, frangin, relax. Une fille, bien évidemment. Ok, d'accord. Pas de problème. Mais surtout, prends soin de toi, d'accord? D'accord. Et s'il te plaît, ne te crée pas d'ennui. Hein? Ok, d'accord. 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 Je t'embrasse. Ok, bye. À toute. D'accord. Oui. Je veux que vous alliez chez... Ok, il vous a déjà dit. Allez-y et déchargez la marchandise. En passant, grand maître. Vas-y, je t'écoute. Avant que j'aille à ma requête, j'aimerais vous remercier infiniment de m'avoir donné beaucoup de succès. Rema Karahachi. Grand maître, j'ai besoin d'une plus grande fortune et de plus de pouvoir pour la protéger. Vous savez, en tant qu'homme riche, il y a tellement de batailles spirituelles dont j'ai besoin de pouvoir pour me protéger. Voilà. Rema Karahachi. Regarde cette poule. Jette-la vivante dans la rivière. Et assure-toi que personne ne te voit. Après cela, le pouvoir et la richesse seront à toi. Tu auras d'abondantes richesses dans ta vie. Mais comme je t'ai dit, assure-toi que personne ne te voit. Merci, grand maître. Rema Karahachi. Loretta, tu vas bien? Loretta, peux-tu me dire ce qui se passe? C'est encore quoi?
quoi ça, non? C'est quoi ça? C'est quoi cette sorcellerie? Viens, Loretta. Viens, viens. Loretta, qu'est-ce que tu as? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu te comportes de manière aussi étrange? Loretta, réponds-moi, je t'en prie, réponds-moi. Loretta, ah! Ah! Loretta! Loretta, s'il te plaît, où est-ce que tu vas maintenant? Loretta! Loretta! Oh mon Dieu, c'est encore quoi ça? Loretta! Loretta! Loretta, attends! Attends-moi, non? Ah, c'est encore quoi ça? Loretta! Où est-ce que tu vas, Loretta? Alors, rentrons à la maison, rentrons! Loretta, où est-ce que tu vas? Rentrons à la maison, je t'en prie, je ne sais pas où tu vas. Rentrons, je t'en prie. Loretta, je t'en prie, ne fais pas ça, je t'en prie, ne fais pas ça. Loretta, je t'en prie, reviens, reviens. S'il te plaît, ne fais pas ça, ne fais pas ça, je t'en prie. Loretta, ne fais pas ça. Loretta, s'il te plaît. Non, 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 non. Oui, tout va bien. Ça va très bien. Oui, s'il te plaît, je tenais à te rappeler que le conteneur allait atterrir. Hein? Donc, je voulais... Oui, exactement. Oui, pas de problème. Oui, qu'on se rencontre, ok, que je dois venir chez toi. Ok. Ok, ok. Puisque... Je te rappelle. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a? Lève-toi, lève-toi et parle-moi. Elle est nouvelle, parle-moi. Mais parle-moi, non, mais qu'est-ce non, qu'il y a? Non, 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 non. Ta sœur est morte. Mais comment? Je ne comprends pas. Comment ça tu dis que ma sœur est morte? Mais je te demande. Je ne sais pas. On rentrait du concert et puis elle m'a soudainement quittée. Elle est partie. Je ne sais pas où. Quand je l'ai retrouvée, elle a plongé dans la rivière, oh mon Dieu! Non! 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 Oh mon Dieu! Juste avant d'arriver, tu traverses la route. Après ça, tu prends la première entrée au bout du couloir. Et de l'autre côté, tu verras un magasin. C'est juste là, c'est juste en face. Tu ne peux pas te perdre. Et quand? Et quand? Et quand? Et quand? Donc, vous avez réussi, n'est-ce pas? Vous avez réussi à me tromper, n'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu prétends ne pas savoir de quoi je parle, n'est-ce pas? Toi et ton soi-disant grand maître, vous m'avez amené à tuer ma propre sœur. John. Ma propre sœur du sang. Mon frère, tu ne peux pas manger le beurre et l'argent du beurre. Anem, awagile jugulodo. Egwa kanno, hein? Ejibola ngoma, abuke bele. Nato kancha. Ok, bane même bon. De quoi est-ce que mon frère, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Mec. Calme-toi. Calme-toi. Comme tu peux le voir, nous sommes en train de sortir pour s'amuser, mec. Si tu veux, tu peux nous rejoindre également. Ok? Mec, relax, tout va bien. Quand il y a de l'argent, egwa ngoma. Allez, mec, relax. Je peux voir que vous êtes des personnes qui n'ont pas de conscience. Je suis en train de vous parler d'une affaire très sérieuse. Je vous parle de ma sœur qui est morte et vous êtes là, tranquille, à prendre cette affaire comme ça à la légère. Hein? Écoute-moi. Oba de Ngoma. Ama Atuago. Wayagwano. Wayagwano. Ako Elisi Elisi. Allez, mec, ça va te passer. Ne fais pas tout ton plat. Allons boire un verre, mec. Allez, viens, viens. Viens, on va prendre un verre, allez. Johnson. Mon amour, je t'en prie, arrête de pleurer.
Il faut être fort, d'accord? Dieu sait tout. Lui seul, il sait pourquoi il a permis que ça se passe ainsi. S'il te plaît, il faut arrêter de pleurer. Ce sont des choses qui arrivent, mon amour. Calme-toi. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu t'imagines ce que ça fait? Mon amour, comment peux-tu dire une telle chose? Tu sais ce que ça fait? Bien sûr que je le sais, mon amour. Comment peux-tu dire une telle chose? Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Je t'en prie. Arrête de pleurer. Sois fort. Arrête de pleurer. La seule qu'il me restait. La seule personne que j'avais encore dans ce monde. Arrête de dire des choses pareilles. Comment peux-tu le dire? Je suis là pour toi. J'ai toujours été là pour toi. Comment peux-tu dire une telle chose? Je ne te laisserai jamais seule. Nous allons traverser ça ensemble. Sois fort, mon trésor, je t'en prie. Ça va aller. Ne pleure plus, d'accord? Ça va aller, mon amour. Mais, monsieur, rendez-moi ma monnaie! Monsieur, calmez-vous, je vous ai dit que j'ai pas de monnaie. Mais qu'est-ce qui arrive à tous ces chauffeurs de moto? Rendez-moi ma monnaie, que je m'en aille! Mais bien sûr que je vais vous donner. Où vais-je trouver de la monnaie dans cette zone? Je n'en ai pas. Je vais péter un câble tout de suite! Je suis pas ici pour m'amuser! Monsieur, calmez-vous, on n'en est pas là. Je n'en ai pas. Que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas. Albany! Albany, toi? Chauffeur de moto? Non, ce n'est pas ce que tu crois, moi, chauffeur de moto. Écoute, je suis allé à... La ferme! Quoi? Madame, c'est bien un chauffeur de moto. Si vous doutez, demain matin, allez au carrefour, vous le verrez conduire cette moto. Calme-toi, ce n'est pas ce que tu penses. Moi, chauffeur de moto, Viens. Hey! Rends-moi ce que vous avez fait. Donne-moi mon argent. Vous voyez ce que vous avez fait. Rends-moi ma monnaie. Akundo. N'as-tu pas arrêté de pleurer? C'est bon, ce n'est pas la fin du monde. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein? Maman. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. Comprendre quoi? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Albany! Albany! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accomplir mon devoir. Tu veux me dire que tu n'as pas pu coucher avec la fille pour la troisième fois? Oui, boss. Albany, pourquoi? Pourquoi? Elle m'a vu l'autre jour en train de conduire une moto. Et depuis ce jour, elle commence à m'éviter. Oh, bon sang. Comment as-tu pu être si imprudent? S'il te plaît, boss, je pourrais supplier le grand maître de me donner une autre chance. Je promets de ne pas échouer cette fois-ci. Je ne vais pas échouer. Eh bien, ça sera très très dur. Mais tu sais quoi? Entre dans la voiture, ok? Et allons-nous-en, d'accord? Allez, entre. Grand maître, s'il te plaît, aie miséricorde. Je sais qu'il a merdé. Je crois que tu peux le faire pour lui, s'il te plaît. Aie miséricorde, grand maître. Je ne suis qu'un serviteur de Rima Kalahachi. Je n'ai pas le pouvoir de changer le verdict. Eh bien, puisqu'il a échoué à sa mission, alors il subira les conséquences. S'il te plaît, grand maître, donnez-moi un autre devoir. Et je vous promets de ne pas échouer cette fois-ci, s'il vous plaît. C'est trop tard. Comment as-tu pu? Rema Kalahachi. Rema Kalahachi. Non, je t'avais prévenu. Hein? Tu n'aurais pas dû. Tu vois maintenant.
J'ai fait de mon mieux. Non, tu as merdé, mec. J'ai fait mec. De mon mieux, hein? Je suis très confus. Je suis confiant en ce moment. Tu dis que tu es confus? En tout cas... Ah! Ah! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet avion n'est pas mal, hein? Avion? Oui, j'aime cet avion. Où l'as-tu acheté? Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, écoute, ce n'est pas drôle, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Eh hey, mec, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, arrête! Arrête, mec, d'accord, arrête! Mon pote, j'aime ce truc, hey! Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est quoi ton problème? Mais arrête! Arrête, écoute, non! Écoute, c'est pas bien, arrête! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais arrête! Mec! Ce gars a perdu la tête, hein. Hey! Je comprends! Je comprends. Est-ce que tu peux arrêter ça? Arrête, j'ai compris. Arrête. Je comprends. Mais arrête. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Arrête. C'est quoi ton problème? Arrête. Je veux être riche. Je veux être riche. Oh, un homme riche. Je veux être riche. Je veux riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Gardez-vous. Je veux être riche. Je veux être riche. Je veux... Je veux être riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Oh. Riche. 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 Je veux être riche. Hey. Viens par là. Toi, tu n'es pas riche. Je veux être riche. Je veux être riche. Je veux être riche. 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 Mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Les voilà, ma sœur. Vois qui? Il n'y a personne ici. Non, arrête ça, tu me fais peur. Il n'y a personne ici, regarde. Il n'y a personne. Mon amour, arrête ça. Arrête ça, il n'y a personne ici, arrête. Tu sais que tu me fous la trouille. Arrête ça, il n'y a personne ici, il n'y a personne, arrête. Ta sœur est morte et elle ne reviendra jamais. Arrête ça. C'est juste ton imagination. Je n'aime pas quand tu te comportes ainsi. Tu dois passer à autre chose. S'il te plaît, je n'aime pas quand tu te comportes ainsi. Tu dois passer à autre chose. Viens t'asseoir. Viens t'asseoir, il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a personne ici, regarde-moi. Il n'y a personne. Viens t'asseoir, tu veux me faire peur ou quoi? Mon amour, il n'y a personne. Ou alors tu essayes de me faire peur? Je ne sais pas. Il n'y a personne ici, relax. Détends-toi, mon amour, détends-toi.
pourquoi tu restes loin de moi? Viens t'asseoir ici. Je ne vais pas te mordre, assieds-toi. Tu vois bien qu'il n'y a personne ici, c'est ton imagination, il n'y a personne. Trésor, calme-toi, relaxe. Tu dois tourner la page de cette histoire. Tu as besoin de te calmer, mon amour. Prends courage, essaye de tourner la page. C'est juste ton imagination, mon chéri. Ok, tu respires fort, s'il te plaît. D'accord? Regarde-moi. Elle est partie. Elle ne reviendra plus, donc arrête de te faire de mal. Grand Erema Karatier. Grand. Grand. Grand Erema Karatier. Grand. Grand. Grand Erema Karatier. Demeure. Demeure à jamais. Les gars, je vous salue. Mon frère, pourquoi es-tu si joyeux? Que se passe-t-il? Je suis tellement content. Je suis si excité. D'ici les deux prochains mois, je ferai ma pendaison crémaillère. Et ça sera grandiose. Es-tu sérieux? Donc, tu veux nous dire que tu as terminé de construire ta propre maison? Ce gars n'a pas juste construit une maison, il a construit un immeuble. Un immeuble? Agetago no ifoya no go no akupa. C'est quoi ça? Inemo foma. Johnson, mon grand. Makanka, anaga kodum. Ah? Okonake. Todobu oke. Mon frère. Oui, monsieur. Irigo kawoke saas. Mon pote. Je suis content, mon pote. Je suis content. Johnson, mon pote. Wonne. Amnabaka flegina. La confrérie Karachi. Odo. Pika ifiemé. Wonne ifabi. Ici Obama. Obe magiki. Ici, Obama. Obama Magiki. Ongwe, ngwa sisi ese menye. Ignoda wanyen me. Mpa, mpa. Prends mon pote, pognon. Prends tout ça pour toi, mon pote. Le blé. Prends pognon, le blé. Tout ça pour toi. Encore plus de richesse. Plus de richesse, mon pote. Ni hile hibu, insi, Obama. Angwen sen, ni lisenk, ni kisik tabu. Nsi elisap. Hmm? Odo ukamikani. Hey, Omaka. Odo ukambo. Ongbe lesi obo. Odo ukambo. Ongke fede jamma. Can you go to see a church or ye go? Nima kai si yega. Naya. Naya. Nezu. Ce jour, hein? Tous les membres de Rema Karaji seront présents. On sera tous présents, mec. Wanley. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne la voyez pas? Qui? Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en! Fokem. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Tu vois? Elle est là. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle est partie. Elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne l'avez pas vue? Voir qui? Qui? Où? Elle est partie? Voir de qui? Qui tu parles? Je venais de voir le fantôme de Bodefun se réapparaître. Mec, rien ne t'est apparu, elle arrête. Elle est partie. Ta sœur. Aujourd'hui est un grand jour, mais pourquoi est-ce que tu essaies de nous faire ça, garçon? Mec, oublie ça et viens boire un verre. Ok, Nogana. Regarde comment tu as gâché l'ambiance, garçon. Allez. Johnson, assieds-toi. C'était le fantôme de ma sœur. Quel fantôme? Ta sœur? Elle vient d'apparaître. Et disparaître. Et pourquoi il n'y a que toi qui la vois? Hein? Mec, es-tu sûr que tu as fait tous les sacrifices nécessaires que le grand maître t'a ordonné? Oui. J'ai tout fait parfaitement. Tu en es sûr? Je l'ai fait sans faute. Je suis certain de ce que je dis. Monsieur le directeur, qu'êtes-vous en train de dire? Pardon? Attendez, monsieur. Écoutez-moi, monsieur. Je vous ai demandé deux conteneurs. Je vous donne du cash, pas de crédit. C'est compris? Ok. Ok. Mon cœur. Oh, tu es là? Je te cherchais. J'étais au téléphone, tu sais comment sont les affaires. Hein? Sinon, comment tu vas? Je vais bien, mais il me manque quelque chose. Mon chéri voilà, d'amour. Voilà, tu recommences encore. Tu recommences encore. Chéri. Tu es calme. Merci, bébé. Bébé? Tu te souviens avoir promis de m'amener à Dubaï faire du shopping, n'est-ce pas? Bien.
Voilà. Je savais. J'ai su par ta façon d'agir que tu voulais quelque chose. T'inquiète, tu veux aller à Dubaï, je vais t'y amener, ok? Si cela te rendra heureuse, tu es sérieux? Je le ferai. Oh, c'est merci de rien. C'est pourquoi je t'aime. Merci, je suis trop contente. Ah, je ferai n'importe quoi pour toi, ma belle. Oh, ouais. Bébé, allons dedans. Hein? Allons dedans, oui. Dedans? Viens. Mais bien sûr, chérie, pourquoi pas. Viens allons-y, bébé, allons-y, allons-y. Viens là, mon cœur. Allez, suis-moi. Mon amour. Bébé, cours encore. Elle est là. Je t'en prie, pas maintenant. Elle est juste là. Mon trésor, il n'y a non, personne mais attends, ici. Elle est ici. Il n'y a personne. Mon amour, mais il n'y a personne ici, voyons. Mais pourquoi est-ce que le fantôme de ta sœur te hante-t-il autant? Mon amour, je ne vois personne ici. Pourquoi est-ce que tu veux toujours me faire peur? Est-ce que tu as un problème? Elle était ici, n'est-ce pas? Chérie, il n'y a personne ici. Comment est-ce que tu veux que je le et dise? Et pourtant, le jour qu'elle quittait de cette maison, je l'avais prévenue. Uh-huh. Je lui avais dit de faire attention. Je lui avais dit de faire attention le jour qu'elle est morte. Mon amour, écoute-moi. J'en ai plus qu'assez de tout ceci. Regarde, il y en voilà encore. Qui encore? Ne la vois-tu pas? Mais chérie, il n'y a personne ici. Arrête-moi cette comédie, tu es en train de me faire peur et je n'aime pas ça. Regarde autour de toi, il n'y a personne. Oh. Moi, je ne vois personne. Est-ce que tu as vu quelqu'un? Calme-toi, il n'y a personne ici. Elle est partie. Oh! Elle est partie. Mais il n'y a personne là-bas. Elle est partie. Écoute-moi, mon amour. J'en ai plus que marre de tout ceci, je t'assure. Quoi? Je suis plus que fatiguée de tout ceci, je t'assure. Le matin, elle est ici. Le soir, elle est là. Dans la nuit, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Hein? Je suis plus que confuse. Oh! Bébé? Udugu. M'pa, m'pa. M'pa. Oui, tout se passe bien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Hein? Suzanne. Mais, Suzanne. Mais qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 non. Non! Qui a tué ma fiancée? Qui a tué ma fiancée? Je te l'ai dit. Je ne crois pas que le grand maître soit impliqué dans cette affaire. S'il était, je pense qu'il nous l'aurait fait savoir. Alors qui l'a tué? Qui? Peut-être qu'elle est morte d'une mort naturelle. Une mort naturelle? Quelqu'un qui était avec moi et qui est soudainement tombé et qui est morte? Et tu appelles ça une mort naturelle? La mort ne prévient pas, mec. Ok? Donc, ce qui est fait, est fait. Tu dois te détendre. Ça, c'est... C'est très controversé. C'est très étrange. Je ne comprends pas. Johnson, je sais que c'est difficile pour toi de tourner la page. Mais je t'en prie d'être fort. Ok, s'il te plaît, sois fort. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment très triste. C'est très écœurant de savoir que ma bien-aimée n'est plus là. Je ne pourrai plus jamais poser les yeux sur elle. Ça va, Johnson, ça va. Accepte mes sincères condoléances, ok? Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est dur, mais je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu donne et il reprend également. Il a ses propres raisons de le faire. C'est vrai qu'elle est partie. Trop tôt, mais tu dois être fort, ok? Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est bon, donc je passerai de temps en temps te voir, ok? Merci. Bébé. Ouais. J'aimerais avoir ton avis sur quelque chose.
Qu'est-ce que c'est? Bébé, je pense que j'ai besoin d'une bonne. Oh, nous avons besoin d'une bonne. Une bonne? Ne penses-tu pas qu'il serait dangereux de ramener une bonne à la maison? Dangereux? Je ne comprends pas. Je sais, mais il y a des bonnes dangereuses. Il y en a qui sont possédées. Je veux dire, je n'aimerais pas qu'on embauche quelqu'un à la maison qui va nous causer des problèmes. Bébé, oublie tout ça, ok? Écoute, c'est juste quelqu'un qui m'aidera à faire le ménage et rien d'autre. Oui, une gamine ne sera pas mal. D'accord, mais si on doit ramener une domestique, son identité et ses origines doivent être étudiées. On doit savoir d'où elle vient. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui sans savoir qui elle est, sans savoir d'où vient la personne. Donc, avant de ramener une fille, rassure-toi. D'où est-ce qu'elle vient? Ok, bébé, pas de problème. Donc, c'est approuvé, c'est ça? Oh, merci, merci. Tout pour toi, mon bébé. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Ce que tu veux, ma chérie. Je sais que tu cuisines très bien. D'accord, sans problème. Je sais que t'es un cordon bleu. Je mangerai tout ce que tu feras, ma chérie. Tac-tac! Qui est-ce qui frappe le portail de cette façon? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez casser ce portail? Vous voulez que j'appelle la police pour vous arrêter tout à l'heure? Ah, viens ouvrir ce portail! Hein? Ah, tu dois être très stupide! Viens ouvrir ce portail! C'est madame! Madame! Madame, c'est vous! S'il vous plaît! Tu es très stupide! Aïe, madame! Comment oses-tu me faire attendre? Allez, écoute! Si jamais cela se reproduit, je vais te briser le crâne, idiot! Aïe! Oh, madame! Où est votre voiture? Où est votre voiture? Oui! Aïe! Madame, je suis désolé. Oh. Ah! Aïe! Allô, monsieur? Monsieur, j'ai eu un petit souci. Oui, mon habit a pris une petite tache, oui, lorsque je venais à la réunion. Je vous prie d'être indulgent. J'espère que je n'ai pas tout gâché. Oui, monsieur, permettez-moi de me changer. Ok, monsieur, merci, monsieur. Oh. Ah. Est-ce que ça signifie que cette fille n'a pas lavé les habits comme je lui ai demandé? Éberré! 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 Où sont les habits que je t'ai demandé de laver? C'est ce que je suis en train de faire, madame. Je suis en train de les laver. T'as le toupet de me dire que t'es encore en train de laver les habits que je t'ai donnés il y a une heure? Madame, j'étais en train de faire autre chose. Je lavais d'abord les assiettes et les marmites, et puis j'ai fini avec tout ça. Et puis? C'est pourquoi je t'ai amené dans cette maison. Oh, t'as laissé ce que je t'ai demandé de faire pour n'en faire qu'à ta tête. Cry no more, such is life, such is life, such is life, weep no Mon ami, lève-toi. Lève-toi de là, dépêche-toi. Bonjour, madame. Garde ça pour toi. Viens avec moi.
ces vêtements. Repasse-les-moi et assure-toi de bien le faire. Je te donne juste 20 minutes. Et qu'est-ce que tu attends? Idiote. Bébé? Chérie? Oui? J'étais inquiet quand je ne t'ai pas vu. Oui, j'étais en bas. En bas? Bébé, allez, allons nous coucher, ok? Réveille-toi. Réveille-toi. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu as mis quelque chose au feu? Ah, je crois que c'est l'odeur d'un habit brûlé. Un habit? Ma tante et ma mère, comment est-ce qu'elle va? Elle va bien. Elle se porte bien. Elle me manque beaucoup. Tu lui manques également beaucoup. Ça va aller. Ma tante, tu veux rentrer à la maison? Tu veux rentrer? Oui. Pourquoi veux-tu le faire? Il y a trop de travail dans cette maison. T'en fais pas. Tu vas t'y habituer. C'est parce que c'est nouveau pour toi. Ok, ma tante, il faut que je rentre. Attends. Eh, Béré. Ok, prends ce jus. Merci beaucoup. Merci, ma. Merci, ma tante. D'accord. Merci, ma. Tu salues ton père de ma part. Hein. Ok, sois une gentille fille. Comme d'habitude, ma. Ok, porte-toi bien. Et une. Maman. Papa. Oui. Cette nuit, j'ai fait un mauvais rêve. Oui, dis-moi. Que s'est-il passé? J'ai rêvé que j'étais devenue servante dans la maison de quelqu'un. Quoi? Que Dieu ne plaise! Cela n'arrivera jamais à ma fille. Que Dieu m'en garde, cela n'arrivera jamais. Mais non, ma fille ne sera pas la bonne de quelqu'un. Je te promets, ma chérie, je ferai n'importe quoi pour te protéger. Rien, je répète, rien ne t'éloignera de moi. Et pour ton information, tu vas rester comme ça jusqu'à ce que je change d'avis. Pauvre débile. Et tu seras privé d'eau et de nourriture jusqu'à demain matin, idiote. Non. Bébé, non. Qu'est-ce qu'il y a? Qui? Elle est juste là. Qui? Je ne vois personne. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois personne. Qu'est-ce que tu racontes? Mais elle est juste là. Je ne vois personne. Il n'y a personne ici. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois personne ici. Ma sœur, ne la vois-tu pas? Ne la vois-tu? Lève-toi. Mais je ne vois personne. Elle est partie. Je ne comprends pas. Qui est partie? Elle est partie. Quoi? Quoi, mais? Bébé, qui? Regarde-la! Qui? Regarde-la! Qui? Elle est là, bébé! Qui? Mais tu, allez, parle! Tu ne vois pas? Non, regarde-la! Mais regarde-la. Je ne vois personne! Non, regarde-la! Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? Ne vois-tu pas ce que je vois? Regarde-la! Elle est partie! Qui? Qui? Elle était juste là! Qui? Tu as vu qui? Toi, qu'est-ce que t'as vu? Moi, je l'ai vu là-bas! Moi aussi, je l'ai vu! Viens. Allez, c'est bon, Johnson, ressaisis-toi. Quel est ton problème? Grand maître,
Je suis troublé. Qu'est-ce qu'il y a? Le fantôme de ma sœur me hante sérieusement. Il me tourmente. Je ne sais quoi faire. Rema Karahachi. Johnson, ton problème n'est pas si grave. Trouve-toi une fillette de 8 ans. Couche avec elle, et le fantôme de ta sœur cessera de te hanter. Une jeune fille de 8 ans? Exactement. Mais grand maître, comment? Ne pose pas de questions. Va simplement faire ce que je t'ai dit de faire. Allez, vas-y. Oui, grand maître. Je suis confus. Je suis inquiet. Savez-vous ce que c'est de coucher avec une gamine de 8 ans? C'est un détournement de mineur. Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Tu m'étonnes, mon frère. Tu parles des détournements? J'ai couché avec un enfant d'un an et de 9 mois, tout petit bébé. Quoi? Oui. Oui. Je devais le faire. Et actuellement, où je suis? Je ne peux pas mettre une femme enceinte. Maintenant, je couche avec des femmes par-ci, par-là, comme je veux. Je fais d'elles ce que je veux, comme ça me chante. C'est juste pour le fun. Goya quoi, non? Je ne peux même pas avoir mon propre enfant. Quoi? Mais qu'est-ce que tu... Tourme, tu as la chance de le faire avec une fillette de 8 ans. Tu es là à te plaindre au lieu de te réjouir. C'est un petit problème, mec. Hein? Ce n'est rien. Une fillette de 8 ans est déjà presque une femme avec de petites formes. Est-elle à te plaindre? Hein? J'ai couché avec ma grand-mère de 75 ans. 17 fois, en 3 jours, sous le même toit. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Ta grand-mère? Mais tu parles de viol d'enfant. Écoute, mec, ce n'est rien. Dans le jeu de l'argent, tu dois exécuter tous les ordres qui te sont donnés, mec. Ok? Fais-le, tout ira bien. Ce n'est rien, mec. Tu veux la paix ou pas? Tu peux croire ce mec? Whatever you sow, you shall reap. Remember that, oh, there is God, oh. Whatever you sow, you shall reap. Remember that, oh, there is God, oh. In every of your wicked acts, oh, remember that, oh, there is God, oh. Such is life, such is life, such is life, cry no more. Ma bonne amie. Hey, c'est comment, tu vois? Qu'est-ce que t'es belle. Comment ça? Pardon, assieds-toi. Assieds-toi. C'est Dieu. Hey. Merci, oh. Merci. Ça fait vraiment longtemps. Ma chère, ça fait longtemps, oh. Comment tu vas? Je vais bien. Tu tombes bien, mon ami. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une bonne nouvelle? Devine quoi. Hey, vas-y, raconte. Raconte, tu t'écoutes, oh. Hier, j'ai vu Ebere. Ma Ebere? Ouais. J'espère que tout va bien. Je t'assure qu'elle a bonne mine. Elle était belle dans sa tenue de classe. Ebere, dans une tenue? Hey, je me suis demandé, est-ce que c'est Ebere ou quelqu'un d'autre? Oh, oh, merci Seigneur. Tout marche bien. Merci pour elle, pour tout. Hein? Merci mon Dieu parce qu'ils l'ont envoyée à l'école. C'est le plus important. Hey, hey Iné. Merci, oh. Merci beaucoup. Prie, merci. T'en fais pas. Madame, vous m'avez appelée? Oui, prends cet argent, achète-moi du pain et du lait. Je dois le prendre cette nuit. Madame, c'est déjà la nuit. Il est 22h. La nuit, il y a beaucoup de mauvaises choses dehors. En plus, toutes les boutiques sont déjà fermées. Et non, quoi, non? Qui es-tu pour décider à ma place? Vas-tu prendre cet argent et aller m'acheter ce que je t'ai demandé de m'acheter? Désolée, madame. Espèce d'idiote. Non, quoi, non? Cette fille a pris des ailes. Je vais m'assurer de te les couper.
Chérie? Oui? Où est-ce que t'as mis les habits que t'as demandé à Ebere de repasser? Eh bien, elle viendra les chercher quand elle va rentrer. Lorsqu'elle va rentrer? Oui. Où est-elle allée? Ha! Est-ce que tu sais que depuis 17 heures que j'ai envoyé cette fille m'acheter des choses à la boutique, elle n'est pas encore rentrée? Tu peux le croire? Oh mon Dieu! Et ne penses-tu pas que ce aurait été mieux d'aller à sa recherche? Pourquoi? Parce qu'elle peut être en danger. Laisse tomber. Elle n'est pas en danger. Elle doit être quelque part en train de prendre son pied avec son copain. Qu'est-ce que tu racontes? Nom de Dieu! Chérie! Quoi? Comment peux-tu dire une telle chose d'une gamine aussi innocente? Inukwano, qui est innocente? Cette fille n'est pas innocente. Hein? Mais je ne t'en veux pas pour ta naïveté. Tu n'es qu'un homme. Je suis une femme. Et entre femmes, on se connaît. Chérie, ne t'en fais pas. Elle sera bientôt là. Mais ça, ce sera quand elle aura fini de s'amuser avec son petit ami. Bon sang. C'est tellement ridicule. Vraiment. Chérie, d'où est-ce que tu viens? Tu l'as vue? Voir qui? Bébé, qu'est-ce que tu fais avec? Pourquoi? J'attends qu'elle revienne dans cette maison. Hein? Je vais lui donner une bonne raclée. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'elle le mérite? Chérie, ce n'est pas la première fois qu'elle affiche ce genre de comportement. C'est la troisième fois. Et tu ne m'as rien dit? Oui, parce que j'avais foi et espoir qu'elle changerait un jour, hein? Mais je peux voir qu'elle est vraiment entêtée. Et la repentance n'est pas dans son agenda. Mais je te promets quelque chose. Je vais lui donner la leçon de sa vie. D'où est-ce que tu viens? Je te demande, d'où est-ce que tu viens? Ok. S'il te plaît, calme-toi. Ebere, d'où sors-tu à cette heure de la nuit? Monsieur, j'ai été violée. Du sang? Ah! Je te l'avais dit, chérie. Chérie, je te l'avais dit. C'est vrai, ça? Est-ce que tu doutes, bébé? Quoi d'autre veux-tu entendre? Ne vois-tu pas les faits sous ton nez? Elle a enfin perdu sa virginité. Mais bon sang. Ebere? Mais comment tu peux faire une telle chose? Monsieur, espèce de bonheur. J'ai été violée. Menteuse, sale menteuse. Je t'ai commissionnée depuis 17 heures. Mais tu es allée chez ton copain. Te mettre à l'aise jusqu'à 7 heures, hein? Et tu es là à prétendre d'avoir été victime d'un viol. Allez, dégage de ma vue. Pauvre bébé. C'est elle qui a insisté pour m'envoyer. Et tu vas la fermer. Ferme-la. Tu me déçois énormément. Dégage de là. Dégage, idiote. Bébé, je te l'avais dit. Je t'avais dit que cette fille est mauvaise. Elle a un cœur dépravé. Ah! C'est une prostituée née. Mon Dieu! Cherchant qui séduire. Et quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Ça, c'est incroyable. Attends, c'est vraiment écœurant. Chérie? Oui, mon cœur. Tu sais que je pars demain. Oh, est-ce vrai?
J'aimerais que tu me fasses une faveur. Je veux que tu prennes bien soin de mon ange. Oui, prends soin d'elle. C'est la personne la plus précieuse à mes yeux. S'il te plaît, prends bien soin d'elle, je t'en prie. S'il te plaît. Et qu'en est-il de moi? Je ne suis pas précieuse? Voyons, ma puce. Mais bien sûr, tu sais bien que toi et moi ne formons qu'une seule chair. Mais avec elle, c'est différent. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Je t'en prie, prends bien soin d'elle. Ma puce, je dois partir. Papa, ne sors pas, ne sors pas. Tu sais, je dois partir. Reste ici à la maison avec nous. Ne sors pas. Je dois le faire, s'il te plaît. Souviens-toi toujours que ton père t'aime. Je ne veux que le meilleur pour toi. Souviens-toi, je te donnerai toujours le meilleur. Je dois partir. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je t'en prie, il le faut. Chérie, je dois partir. Non, 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 non. Tu dois raccourcir ton voyage. Jusqu'à 3 jours, c'est beaucoup. Tu ne dois pas rester à la maison. Tante, s'il te plaît, tu dois te ressaisir. Ce n'est pas la fin du monde. Arrête de pleurer, que voudrais-tu que je fasse? Tante, s'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu ne peux pas comprendre. Arrête de pleurer. Je ne peux pas comprendre. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu fais que crier le nom de papa. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh bien, ma fille, je viens de recevoir un appel là tout à l'heure. C'est ton père. Ton père est mort. Quoi? Oui. Quoi? Ma fille. Ma fille. Éberée. Ma fille éberée. Éberée. Ma fille. Madame. Oui? Madame, voici mon bulletin. Montre-moi. Tu es sortie première de ta classe? Oui, madame. Applaudis pour toi. C'est très bien. Alors, pourquoi me l'as-tu apporté? Pourquoi? Dégage ce truc hors de ma vue. Tu es sortie première et puis quoi encore? Dégage. Ah, ma tante. Hey, Evie. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci, ma tante. Ah, regarde-toi. Tu es toute rayonnante. Merci. Ah, comment va ta patronne? Elle va bien. Et d'où est-ce que tu sors? J'étais faire une commission. Elle m'a envoyé faire une commission et maintenant je suis en train de rentrer. Ok, je suis allée livrer les croquettes. Je vois que c'est presque fini, je vois que tu as tout livré. Oui, les croquettes. Ma tante, je suis sortie première en classe. Première de ta classe? Waouh! Ebi, je savais que tu allais nous rendre fiers. Qu'est-ce que j'ai... Attends. Tiens. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux rentrer à la maison. Ebi. Je veux rentrer à la maison. La dernière fois, tu m'as dit la même chose. Et je t'ai demandé de supporter. Et comment est-ce qu'il faut que je fasse pour supporter? Je dois faire comment? Hein? Ebere. Si tu ne restes pas là-bas, comment est-ce que tu vas aller à l'école? Si tu ne partais pas à l'école, est-ce que tu allais être première de la classe? Je ne subirais pas ce que je subis actuellement. Ebi, tu dois supporter. Tout le monde a une histoire à raconter. Sois patiente. À peine tu te rends compte que ta patronne aura changé. J'en suis convaincue. Ok? Ok. Tu m'as compris. Merci, ma tante. D'accord. Tu salues ta mère de ma part. Ok. Achetez vos tomates. Tomate, tomate, tomate. Tomate, tomate.
des bonnes tomates. Il faudrait que j'en rajoute d'autres. Tomate. Hey, Onoma. Hey, ma copine. Comment ça tu vas? Ça va, oh. Comment vont les affaires? Ça va, oh. On avance un peu. Waouh, tes tomates ont l'air fraîches. Oh. Ah, oui, oh, je viens juste de les acheter. Regarde ça, elles sont tellement fraîches. Oui, oh. Quelle quantité as-tu acheté? Oui, j'ai acheté un cajou et c'est tout ce qui reste. J'étais avec Hébert hier. Oh, vraiment? Ouais. Comment elle va, non? Elle va bien. Elle est venue me montrer ses résultats scolaires. Eh, hey, vraiment? Comment a-t-elle travaillé? Elle est sortie première de sa classe. Hey! Première, tu dis? Hey! Sûre. Es-tu sérieuse? Je suis sûre qu'elle va réussir sa vie. Hey, merci Seigneur, tu es merveilleux. Ah. Tu as raison, non? Ah. Hey! Et puis ma fille, première de la classe. Hey! S'est-elle plainte de quelque chose? Pas vraiment, pas vraiment. Comme je te l'ai dit plus tôt, elle va bien. Hey. Elle a l'air vraiment très en forme. Merci. Je t'en prie. Que toute Dieu la gloire à Jésus. Je c'est t'en grâce prie. À toi. À c'est toi, grâce oh. à Dieu. C'est grâce à hein? Dieu. Hein? Laisse-moi courir. Oh. D'accord. Oh, voilà. Hein? Merci beaucoup. Bonne vente. Oh, des bons tomates. Chérie! Chérie! Mais quel est ce genre de maison? Ah, chérie. Oui, chérie? J'étais inquiète. Je te cherchais. Bébé, je te manque à ce point. Oui. Je suis juste descendu m'hydrater. Ah, ok. Retournons dormir. Ouais. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Maruba de Bezo. Ah, Seigneur. Maruba de Bezo. Mamalachegu. Maruba. Ewo, babaruba. Ewo. Maruba de Bezo. Ababa, baba, baruba. Ewo, baruba de wo. Na baruba de brezo. Baruba de bisamaru. Ah, oncle, ah. Nabana jiza baruba. Chai, baruba de brezo. On te plaît, monsieur. Bon, monsieur, hein? Ah, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ma fille. Hey, tu fais des efforts. Ce n'est pas comme avant que tu m'as amené une petite bouffe. Tu l'as déposée ici. Maintenant, tu m'apportes une bonne quantité. J'aime ça. Tu sais que je suis le chef exécutif de la sécurité dans cette maison. C'est moi qui garde cette maison pour que, quand le voleur vient, je le porte et je le jette. Donc, quand tu m'apportes autant de bouffe, ça me plaît. Hein? Oncle, j'aimerais te poser une question. Une question? Quelle est cette question? Mon oncle, est-ce que c'est un tabou pour quelqu'un d'être orphelin? Tabou? Orphelin de père? Ça veut dire quoi tabou et ça veut dire quoi orphelin de père? Je ne comprends pas ton français. Un tabou veut dire une abomination. Voilà à peu près ce que ça veut dire. Et un orphelin de père, c'est quelqu'un qui a perdu son père. Hein? Tu vois? Tu vois? Notre proviseur ne nous a pas dit ces choses à l'université où je suis allé. C'est méchant homme. Il ne nous a pas dit tout ça. Mais pas de problème, je comprends maintenant. Chai, écoute, c'est parce que Jésus-Christ, hein, le Fils de Dieu, a ramassé Satan et l'a jeté par terre. Boum! C'est ce qui a poussé Satan à entrer dans les cœurs des gens. Attends, ton père est mort? Quelque chose comme ça, oui. Chai, ewo, Chai! Oh! Eh wow. Non, non, ce n'est pas drôle. Une minute. Hein? Une minute de silence pour lui. Que son belle âme repose en paix. Amen. Ne t'en fais pas. Écoute, Dieu va te donner une autre personne qui sera un père pour toi. Ah, oncle, j'ai une autre question à te poser. Une autre question encore? Tu ne veux pas que je mange cette nourriture que tu m'as apportée? Pourquoi est-ce que les êtres humains sont aussi méchants et sans cœur? Méchants et sans cœur? Méchants et sans cœur? Ah, je connais ça. Au moins, je connais ça. Notre proviseur nous a dit ça à l'université. Le méchant, c'est quelqu'un, hein, qui n'a pas de peine pour personne. Et l'homme sans cœur, c'est un homme qui n'a pas de cœur. Il marche, il se balade sans cœur.
Tu sais que je suis allée à l'école. Tu ris. Vas-y. Hey. Attends, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Tu as posé la première et t'as encore posé une autre. Pourquoi tu poses toutes ces questions? Je ne sais pas pourquoi. Madame me frappe et me maltraite. Elle est comme ma sœur. C'est comme ça qu'elle me gifle. Si tu voyais les mains avec lesquelles elle me gifle, on aurait dit du métal. Si tu voyais comment elle me gifle. Écoute, t'inquiète. Je sais que le Dieu que je sers, hein, Jéhovah, je sais que ce Dieu va la punir. J'ai hey, l'école. Oncle, il faut que j'aille dans la maison avant que madame... Hey, avant que tu n'entres. Hey, qu'est-ce que c'est? C'est du riz ou du foufou? Du riz. Du riz. Hey, j'espère que c'est bon, hein? Oui. Voilà. C'est bon, ok, ok. Waouh. Oh, il faut que je me dépêche avant que cette femme ne vienne crier mon nom à la moindre seconde. Ah 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 ah. Aucun respect. Mieux je parte avant. Comme si on aurait dit que j'étais son égal. Moi, vite, vite que j'aille dedans. Comment peut-elle gifler quelqu'un avec cette main de fer? Bac, bac, tout le temps. Vraiment? Qu'est-ce que t'es drôle. Franchement... Où est cette fille? Éperée! 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 Oui, madame. Que faisais-tu? Madame, je dormais. Tu dormais? Hein? Tu dormais alors que ma fille est encore éveillée? Hein? Je peux voir que tu t'ennuies beaucoup. S'il te plaît, laisse-moi t'occuper un peu. Viens. Attends. Mon cœur, j'arrive, ok? Tu vois ce cahier? Prends-le et répète-la. Ma chérie, à tout à l'heure, ok? Non mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur, je la ventile. Tu la ventiles? Tu la ventiles alors qu'il y a des ventilateurs et des climatiseurs dans toute la maison? Qui t'a dit de faire ça? C'est madame qui m'a demandé de la ventiler. Madame? Retourne dans ta chambre. Non. J'ai dit, retourne dans ta chambre. Mais ce n'est pas possible. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore debout? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu ne dis rien. Mais tu sais bien que c'est mal d'être éveillée à cette heure. Mais ta fille et toi avaient laissé cette fille innocente éveillée. Est-elle votre esclave? Tu me grondes à cause de ce petit... Je parle ici à cause de ton attitude. Pas normal. Que ce soit la première et la dernière fois que ta fille et toi essayez de faire ça. C'est un humain. Et elle mérite un peu de respect. «
Donc cette maudite fille veut monter mon mari contre moi? Non, je ne permettrai pas cela. Je vais en finir avec... Monsieur Collins, vous devez faire quelque chose. Hein? Regardez, je n'ai aucun autre endroit où aller à part ici. Que vais-je faire? Où vais-je aller maintenant? S'il vous plaît, aidez-moi. Au moins en tant que le comptable de mon mari. Hmm? 3 semaines, c'est tellement petit. S'il vous plaît, que vais-je faire? Regardez ma fille unique. Que vais-je faire? Que vais-je faire? Madame, écoutez, j'ai essayé tout mon possible pour décompter cette situation, mais en vain. Y a rien d'autre que je puisse faire. Monsieur, s'il vous plaît, pitié. Si vous nous sortez de cette maison, où est-ce qu'on va aller? Je vous en prie, s'il vous plaît, pitié. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur Collins. Je ne sais pas à quoi faire d'autre. Je suis désolée. Oh. Es-tu fatiguée? Es-tu fatiguée? Maman, je suis fatiguée. Je sais. Ma chérie, attendons ici, ok? Ma chérie, ça va aller. Ok? Ça va aller. Ma chérie, lève-toi, on continue, ok? Maman, je suis fatiguée. S'il te plaît, ma chérie, lève-toi, on continue. On arrive bientôt, ok? On va bientôt arriver, ok? Oh, ça c'est mon bébé. Bonne fille, ça va aller. Je t'aime, mon bébé. Merci, maman. Allez, on y va. Où est ce bon à rien? Ah ah! C'est pas possible! Ah ah! Oui, madame! Madame! Jésus, madame! Ah ah! Madame. Pourquoi n'es-tu pas à ton poste? Que faisais-tu derrière? Ok, je. Madame, j'essayais juste de. Tu vas la fermer? Ce ne sont pas mes affaires. Où est Héberé? Héberé?
Ok, mais Héberé est derrière en train de laver les habits, madame. Héberé est en train de laver les habits derrière. Héberé n'est pas dans cette maison. Je l'ai cherchée partout et je ne la retrouve pas. Vous voulez dire que vous l'avez cherchée sans la voir? Écoutez, madame, je pense que mon identité intellectuelle me dit que peut-être que vous ne l'avez pas bien cherchée. Parce que si vous l'aviez bien cherchée, vous deviez la trouver. Tu es très stupide. Va la chercher toi-même. Je t'attends ici. Je t'ai dit d'aller la chercher, okay, vas-y. Madame. À son retour dans cette maison, je vais lui donner une bonne leçon. L'as-tu retrouvée? Madame, je ne l'ai pas trouvée. Oh. Je n'ai pas trouvé cette fille. J'ai cherché partout. J'ai guetté. J'ai fouillé. Dans tous les coins de cette maison. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Si je... Allez, tais-toi. La ferme. Attends. C'est quoi toutes ces conneries que tu racontes? Tu es dans cette maison et ce petit rat est sorti sans que tu ne t'en rendes compte, hein? Je ne sais pas. Écoutez, madame, je ne sais pas. J'avais un peu mal au ventre. Alors, je suis sorti pour aller acheter des médicaments. Et quand je suis revenu pour les boire, je suis sûr que cet homme, ce pharmacien m'a mis des TM. TM, qu'est-ce que c'est? Oh! Ok, madame. Ah, je vois, vous êtes bleue dans ce domaine. Les TM, ce sont les tramadols. Si vous les prenez, vous allez devenir fort comme un lion. C'est sûr. Désolé pour ça. Mais je ne sais pas, quand je les ai bu, j'ai eu envie de faire une sieste. C'est comme ça que je me suis endormi. Donc, avant que je ne m'en rende compte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas... Ah, tu vas la fermer. Oh, tu essaies de me dire que tu dormais à ton poste de travail quand Héberé est sorti d'ici? Non, non. Dormir à mon poste de travail alors que vous êtes dedans? C'est ici que je... Tais-toi. Tu sais quoi? C'est évident que tu es stupide et inutile. Si jamais cette fille remet ses pieds ici, je vais lui faire sa fête. Oui, on va lui faire sa fête, pas seulement vous. Personnellement, je vais la corriger. Je vais l'enseigner les maths. Je vais l'enseigner l'anglais. L'économie, la biologie. Surtout la biologie. Elle va comprendre que la réaction du corps pour être sortie de cette maison est illégale. N'importe quoi.
Quelle est cette vie misérable? Je suis fatiguée. Je n'ai même pas l'argent pour manger. Ni même pour pouvoir payer mon transport. Ou bien je vais chez l'ami de ma mère. Non. Elle va me décourager. Seigneur, je ne sais pas ce que je dois faire. Aide-moi, s'il te plaît. Chai! J'ai souffert. J'ai souffert. Monsieur, bonsoir. J'ai dit bonsoir, monsieur. Bon après-midi. Merveilleux. Je cherche une fille. Hein? Premièrement, cette fille est une vierge. Deuxièmement, elle a un teint noir, genre, elle est d'une couleur noire. Noire de peau. Et elle a beaucoup de cheveux sur sa tête. Partout, des cheveux. Comme Bob Marley. Hein? Je veux dire, elle a des locks. Quoi est-ce que ça me concerne? Ah, je veux juste savoir si elle est passée par ici. Vous habitez dans le coin ou pas? Pourquoi me posez-vous cette question? Pourquoi je vous pose cette question, hein? Ok, désolé, je voulais juste savoir, parce que je suis en train de la chercher. Si j'attrape cette fille, si je l'attrape, qu'est-ce qui vous prend? Désolé. Héberé, regarde comment tu me fais souffrir. Tu me fais monter des cendres partout. Tu me fais souffrir sous ce soleil. Hein? Héberé! Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Suis-je cet Héberé? Désolé. Héberé! Bonjour, madame. S'il vous plaît, j'ai vraiment très faim et j'ai besoin d'un travail. S'il vous plaît, je peux nettoyer toute cette cour, je peux laver les assiettes et les marmites, je peux tout faire juste pour manger. S'il vous plaît, j'ai vraiment très faim. Désolée, nous n'avons plus de place vacante. On n'a plus de place. Madame, s'il vous plaît, je vous non, en prie. Non, ne fais pas ça. Ne t'agenouille pas. Ma chérie, tu n'es qu'une gamine. Et ici, nous n'embauchons pas d'enfants. Param pam pam pam. Param pam pam pam. Madame! Oh, cette femme! Nanana. Madame! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah. C'est une bonne nouvelle. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Mais madame, vous ne m'avez pas dit que vous allez voyager? Ah, je sors. Ah, ok, vous sortez pour manger un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Perdu mais retrouvé. Qu'est-ce que c'est?
J'ai vu Egberet aujourd'hui au marché. Oh, où l'as-tu vu? Je l'ai vu au marché. Quand vous m'avez demandé d'aller acheter le gombo et le... les légumes et le gombo. Quand je suis allé, je l'ai vu et je me suis dit, n'est-ce pas Egberet là-bas? C'était vraiment elle. Et j'ai foncé... Tais-toi. Moi, je t'ai envoyé m'acheter du gombo. Ah, comment? Quand? Où? Comment? Quand? Où? 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 Comment? Madame, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je pense que c'était juste un rêve que je... Aïe! Tu es malade. Tu es très stupide. Comment peux-tu blaguer avec une histoire aussi sérieuse que celle-ci? N'importe quoi. Viens m'ouvrir le portail, madame. que je sorte. Pauvre débile. C'est de ma faute maintenant. C'est de ma faute si je rêve tout le temps. C'était juste un rêve. Ah ah! Oui, madame, j'arrive. Cette femme a des mains dures comme du métal. Ah! C'est quoi ces mains? Oui, j'arrive, madame! Calmez-vous, madame, ok? Calmez-vous. Vous savez, votre fille est partie de la maison hier matin. Et depuis hier matin, elle n'est pas rentrée. Donc, j'ai décidé de venir ici pour voir si elle est venue vous voir. Ah! Oh mon Dieu! Vous êtes en train de me dire que ma fille a disparu? Non, pas vraiment, pas vraiment. Ah. Comme je l'ai d'abord dit, je suis venu en fait voir si elle est passée vous voir. Mais puisqu'elle n'est pas ici, je vais employer tous les moyens nécessaires pour pouvoir la retrouver. Monsieur Johnson, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, je vous en prie. C'est mon unique enfant. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je vous en prie. Allez, madame. C'est mon seul enfant, ma seule fille, mon seul espoir. Calmez-vous. La prunelle de mes yeux. S'il vous plaît. Je n'ai personne d'autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dépêchez-vous pour moi. Pour l'amour de Dieu, je vous en prie. Ne vous en faites pas. Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Je dois partir maintenant, ok? S'il vous plaît. Je vous en prie, oh, ma seule fille. Mon seul enfant. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Ma seule fille. Mon seul enfant. Tantine, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es qu'une. Tantine, qu'est-ce qu'il y a? Egberet. Qu'est-ce qui est arrivé à Egberet? Egberet a disparu. Disparu? Egberet a disparu. Egberet a disparu. Oh! Egberet a disparu. Egberet a disparu. Que vais-je faire? Où vais-je aller? Tantine. Par où vais-je commencer? Je ne peux pas l'accepter. Oh! Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bonjour, madame. Bonjour. Soyez les bienvenus. Madame. Entrez, ne restez pas là dehors. Non, 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 ne vous dérangez pas, d'accord? Oui, ça va, ne allez, vous dérangez madame. Pas. Madame, Egberet semble avoir disparu. Oui, elle a quitté la maison hier et elle n'est pas encore rentrée. Donc, nous sommes là pour savoir si vous avez de ses nouvelles. Non, j'ai pas de ses nouvelles. Madame, s'il vous plaît, c'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? Environ un mois. Non, exactement un mois. Quand elle était venue dans mon magasin avec son amie Ifunaya. Elle venait me montrer ses meilleurs résultats. C'est bon, madame. Nous allons voir sa mère directement. Oh, s'il vous plaît, faites-le rapidement. Ok. Chérie, allons-y. Au revoir. Hey, il ne va rien lui arriver. Que j'arrête de pleurer? Mon unique fille, comment est-ce que tu peux me demander ça? Mon seul enfant, tu me demandes d'arrêter de pleurer. Dis-moi non. Egberet, ma fille. Oh, oh. Ma fille Egberet, oh. Mon fille Egberet, oh. Oh Dieu, s'il rien te plaît. Rien ne va lui arriver. Par où vais-je commencer, non? Regarde ma condition, non? Une veuve de mon état. Oh Dieu, viens bon. Mon secours. Oh. C'est bon. Seigneur, ne nous abandonne pas, je t'en supplie. Oh Dieu, viens à mon secours. Amen. Toi qui te tiens en captivité aujourd'hui. Egberet, trouve ton chemin. Amen. Parce que Dieu l'a détruit. Amen. Egberet, s'il te plaît, viens voir ta mère. Amen. Mais que vais-je devenir? Oh. Et quand? Je t'ai invité ici à cause de tout ce que je traverse actuellement. Il y a du feu sur la montagne. Mon frère, je t'ai dit, c'est très grave. Et qu'est-ce que c'est? Tu te rappelles que je me suis plaint chez le grand maître? Comment ma petite sœur passait le temps à me hanter?
Et il m'a donné une condition de coucher avec une fillette de 8 ans. Très important. Mais tout semble se compliquer au fur et à mesure. Et j'ai essayé de coucher avec elle tout ce temps, mais cela en vain. Du jour au lendemain, elle a disparu dans la nature. Je ne la retrouve pas. Est-ce que tu comprends ça? Moi, je te comprends. Johnson, je crois que tu dois rapporter ce cas à la police. Hein? Je t'assisterai du mieux que je pourrai. Ok? C'est d'accord, mon frère. Johnson, ça va aller. Sois fort. Je veux du pain. Ok, ça c'est 350. Pourquoi ça? Parce qu'il est très spécial. Ce n'est pas du 150. Oh non. S'il vous plaît, c'est non. C'est 350, c'est le prix. D'accord, donnez-le-moi. Bonjour, madame. Vous avez besoin de quelque chose? Êtes-vous madame Lawrence? Oui, c'est bien moi. Vous êtes demandée au commissariat. Pourquoi? Pour quelle raison? Je viens de vous le dire, au commissariat. Ok, laissez-moi fermer madame, ma boutique. Madame, nous n'avons pas de temps. Laissez-moi fermer ma boutique. Madame, je vous l'ai dit, nous n'avons pas de temps. Allez, on y va. Feva, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi tu fais autant de bruit? Feva, la police a amené ta sœur. Quoi? Dépêche-toi, va fermer la boutique. Allons-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Eh bien, ma fille, nous sommes là aujourd'hui parce que nous ne voulons pas te faire endurer plus de stress au commissariat, hormis tes études. J'ai fait venir cette femme ici aujourd'hui pour que tu puisses me dire absolument tout ce que tu as pu nous dire hier à la station. J'ai appris que mon ami a disparu. Hébert et moi sommes allés chez l'ami de sa mère. Et l'ami de sa mère lui a demandé de fuir de chez monsieur Johnson. Mais moi, j'ai dit à Hébert de ne pas partir. Et Hébert a refusé de m'écouter et... Elle a peur. Hey oh. Ma chère, merci beaucoup. Et toutefois, où tu pourras nous donner une quelconque information qui nous aidera à retrouver ton ami, n'hésite pas, ok? D'accord, merci beaucoup. Ce sera tout pour l'instant. Tu peux retourner dans ta salle de classe. Officier! Officier, vous pouvez le croire? Comment mon ami, ma meilleure amie, a pu me faire ça? Vous-même, vous voyez? Madame, calmez-vous. Nous oh mon Dieu! Quel monde méchant! Ah
Ceci est une cour d'école. Calmez-vous, ok? Laissez la police faire son travail, d'accord? S'il vous plaît! S'il vous plaît! Aidez-moi! Elle est mon seul et unique enfant, s'il vous plaît! Nous faisons de notre mieux, ok? Nous faisons de notre mieux. Ma fille, tu allais épuiser. Oui, je suis fatiguée et j'ai très faim. Oui, je sais. Je sais que tu as faim. Et c'est pourquoi je t'ai apporté de la nourriture. Madame Lawrence, on dirait que vous ne vous aimez pas vous-même. Oui, on dirait que vous ne vous aimez pas. Pourquoi est-ce que vous ne vous épargnez pas tout ce stress, nous faire gagner du temps et rentrer à la maison? Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous me dites la vérité, je vais vous aider. Oui? Alors, êtes-vous prête à parler? Monsieur... Comme je l'ai dit plus tôt, je ne sais rien de sa disparition, je vous assure. Je ne plaisante pas avec vous. Écoutez, vous n'êtes qu'une grosse menteuse. C'est ce que vous êtes. Vous pensez que je plaisante avec vous? Vous pensez que je perds mon temps? Écoutez, pour votre information... Il y a un témoin vivant contre vous. Qui dit que vous avez personnellement conseillé à la jeune fille de s'enfuir? Vous le voyez, vous ne pouvez pas vous en sortir. Monsieur, je suis une fervente chrétienne. Et je ne voulais que venir en aide. Je vous ai dit que je ne sais rien par rapport à sa disparition. Elle est une fervente chrétienne. Waouh! Et moi, je suis un païen. Vous n'êtes qu'une effrontée! Une très, très grande effrontée! Voilà ce que vous êtes! Maintenant, écoutez. On dirait que vous n'aimez pas votre vie. Ok. Puisque vous êtes têtu, soyez prête. Soyez prête à faire face à la fureur de la loi. Maintenant, non. Rendez-vous à la cour. Non! Mais comment as-tu pu? Comment as-tu pu croire une telle histoire? Nous sommes amis depuis des années. Ça veut dire que tu ne peux pas te battre pour moi. Madame Laurence, me battre pour toi? Quand la petite Ifunaya, la petite amie de Beric témoigne contre toi? Seigneur Jésus, comment peut-elle témoigner contre moi? Comment est-elle...
Oh mon Dieu. Pour ton information, la police prévoit de t'amener demain à la cour, donc il ferait mieux pour toi de parler maintenant. Tu ferais mieux de dire la vérité. Je suis innocente. J'ai pas peur d'aller en justice. Le Seigneur est ma force. Tu es innocente? Tu es innocente. Je peux voir ton cœur. Je peux vraiment voir ton cœur. Mais t'inquiète, mon Dieu combattra pour moi. Quant à toi, tu ferais mieux de prier pour le retour de ma fille. Ma meilleure amie. Madame Johnson, j'ai un message pour votre mari, Monsieur Johnson. Je vous écoute, Madame l'avocate. La cour l'a rendu justice. Elle accusait Madame Lawrence. Après avoir reçu son témoin devant la cour aujourd'hui, a été mise en liberté conditionnelle. Elle devra retrouver la fille perdue sur l'espace de 2 semaines. Waouh! C'est un grand soulagement, je dois avouer. Vous avez raison. Madame l'avocate, vous savez, je vous remercie énormément pour votre service. Et je suis ravie que mon mari sera ravi d'entendre cela. Et je vous rassure d'une chose. Vous recevrez une notification dans les prochaines 24 heures. Oh, ce serait merveilleux. Merci beaucoup. De rien. D'accord, Madame Johnson. Je dois partir. D'accord, maître. Que vas-tu faire maintenant qu'ils t'ont demandé de chercher la petite fille dans un espace de 2 semaines? Je suis également confuse. Si je te dis que j'ai quelque chose en tête, c'est que je te mens. Ce que j'ai besoin en ce moment... ce n'est que ta prière. J'ai vraiment besoin de ta prière. Ah, mon Dieu. Ah. Pasteur Thierry, le temps est arrivé. Prenez ce couteau. Et tu es là. Que je la tue? Prends ce couteau et tu es là. Bonjour, mon frère. Bonjour. Je t'en prie, je suis à la recherche d'une petite fille. Elle a environ 11 ans. Elle est mince et elle est également noire. Elle porte des locks. Elle a un visage ovale avec des grands yeux. Je me demande si vous ne l'avez pas par hasard. Non, je ne l'ai pas vue. C'est maintenant que j'essaie d'ouvrir ma petite boutique. Éberée. Ce proviseur est très méchant. Comment peut-il nous mettre dehors, juste à cause de 500 naira? Moi, je ne paierai rien du tout, rien, même pas un rond. Même si mes parents me donnent cet argent, je vais acheter les chewing-gums, les bonbons et les croquettes, tout ce que je veux. Bonjour, mes enfants. Bonjour, maman. Mes enfants, je vous en prie, vous n'avez pas vu une fille avec à peu près cette taille, avec un teint noir. Et elle a des locks naturels et un visage ovale. Et elle a des gros yeux. Et elle est également mince. Est-ce que vous l'avez vue quelque part, mes enfants? Non, maman, on ne l'a pas vue. Mais maman, pourquoi n'allez-vous pas voir la police? Ma fille, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Vous ne pouvez pas comprendre. Eh bébé. Tante Idjé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Après tout ce que j'ai fait pour cette femme et pour ses enfants, pour me récompenser, elle me fout la honte. Je me demande pourquoi elle ne t'a pas cru, même après lui avoir prouvé ton innocence. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Aïe. Mais ce que je sais, c'est que cette épreuve me vient tout droit de l'enfer. Tout ira bien. Nous devons juste nous accrocher au Seigneur. Tu as encore 4 jours devant toi. Et on ne retrouve la petite nulle part. Mais ne t'en fais pas, je crois que Dieu fera quelque chose. Hein? Arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer, allons c'est dedans. Bien. Ah, madame, désolée de vous avoir fait attendre. Alors, ça a été... Oh, parfaitement bien. Oui. Aucune erreur. Non, pas du tout. Toutes les filles sont nickel. D'accord, c'est parfait. J'espère que tout est complet. Faites-moi confiance. Ok, si tu le dis. Je te fais confiance. Merci, mon frère. Merci. À plus. Tantine. Hey. La nourriture. Qu'est-ce? La nourriture? Oui. Ébéré. Ébéré. Ma fille Ébéré, oh. Ébéré, ma fille, oh. Ma fille Ébéré. Mon unique enfant Ébéré, mon trésor, mon seul espoir. Ébéré, où es-tu? Ébéré, viens voir, maman, tu me manques. Oh. Ébéré, maman n'est qu'une veuve. Tu es tout ce que j'ai, Ébéré. Ébéré, s'il te plaît, la prunelle de mes yeux, Ébéré, s'il te plaît, tu es où? Où est-ce que tu te trouves, Ébéré? Idioma, Idioma, tu étais mon ami, je te faisais confiance. Il a fallu que tu prennes ma fille pour les rituels. Non, on doit régler ça. Et la nourriture? Tante, ne te crée pas des ennuis. Mon Dieu, je ne sais pas ce qu'elle a en tête. Idioma! Où est cette femme? Où est cette kidnappeuse? Ritualiste? Sors d'ici, c'est ce qu'on va voir. Sors ici, me rendre ma fille. Sors avec ma fille, où es-tu? Non, ma bonne. Regarde la menteuse. C'est ce que tu es, menteuse. Donc tu as réussi à enlever ma fille pour te faire de l'argent. Tu as réussi à kidnapper ma fille. Ritualiste. Que Dieu m'en garde. Tu m'en gardes de quoi? Comment peux-tu propager une rumeur aussi scandaleuse, hein, sur moi? Regarde-la. Menteuse, c'est ce que tu es, menteuse, ritualiste, tu vas me rendre ma fille. Je te l'ai dit, je ne suis au courant de rien de ce qui s'est passé avec... Tu es une menteuse, oui, c'est ce que tu es. Regarde-la, tu n'es rien d'autre qu'une menteuse. Rends-moi ma fille, kidnappeuse. Je t'ai prévenue de nombreuses fois de me rendre ma fille. Mais cette fois, je te donne 2 jours. Rends-moi ma fille, sinon tu verras l'autre côté de moi. Tu verras le monstre à moi. Tu verras l'animal à moi. Je t'aurai prévenu. 2 jours. 2 jours. 2 jours pour me rendre ma fille. Hey. Au corps, mes moules et mots. Au corps, les moules et mots. Je suis une kidnappeuse.
Ta tante était venue une ritualiste. Ha! Hé, hé, hé! Oh! Ébéré. 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 Qui est là? Idioma, nous sommes là. Viens nous accueillir. Qu'est-ce que... Comme je vous vois avec vos valises là, j'espère que tout va bien. Idioma, regarde-moi. Oh. Ah. Ah, ah. Regarde-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Idioma, c'est une longue histoire. Ah, ah. Bonjour, tante. Regarde-moi. Bonjour, ma fille, comment vas-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Idioma... C'est une longue histoire. Longue histoire. C'est bon, calme-toi. C'est allons une longue histoire. Tu vas me raconter. Allons-y, viens, viens, ma fille. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Ma fille, ça va? Laisse-moi t'aider, d'accord? Eh bien, vas-y, entre. Idioma. En fait, j'aimerais te remercier. Si ce n'était pas toi, avec notre condition, qu'allions-nous faire? Regarde, tu nous as donné un toit. Qu'aurais-je fait sans toi? Merci, ma sœur, merci. Ma sœur, tu n'as pas besoin de me remercier. Hein? Je remercie Dieu d'être là pour toi. Hein? À quoi servent les amis? Ça peut arriver à tout le monde. Et la leçon que tu dois tirer de là, c'est que tout ceci, ma chérie, c'est le sens même de la vie. Ok? Ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est de prendre soin de toi-même, pour ta fille et pour toi. Hein? Merci infiniment. D'accord? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Regarde-toi! Menteuse! C'est ce que tu es! Kidnappeuse ritualiste! Tiens-moi. Oui. Peux-tu voir à quel point ta sœur est méchante? Elle accuse ma tante d'être responsable de la disparition de sa fille. Ma tante a kidnappé sa fille. Dans quelques jours, elle sera exécutée. C'est bon, calme-toi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, calme-toi. C'est bon, cesse de pleurer, d'accord? Cesse de pleurer. Même si tout le monde te tourne le dos, je serai toujours là pour toi. Nous sommes amis depuis des lustres. Et je ne te laisserai pas tomber encore moi maintenant que tu es dans cette situation. Arrête de pleurer. Écoute, le Dieu Tout-Puissant ne laissera jamais sœur Idi payer pour un crime qu'elle n'a pas commis, d'accord? Je suis désolée. Je suis désolée, cesse de pleurer. Hein? Ça va aller. Ma sœur, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas par où commencer à chercher ta fille. Je ne sais pas ce qu'il en est d'elle. Hein? Tu n'as aucune idée? Tu n'as aucune idée, hein? Cette affaire ne dépend plus de moi, ou? Ça ne dépend plus de moi. La cour t'a donné 2 semaines pour que tu puisses me ramener ma fille. Ok? C'est compris? Rends-moi ma fille, s'il te plaît.
Ramène-la-moi, s'il te plaît. Tu ne me crois pas. C'est mort. Tu ne crois pas que je n'ai rien à voir avec la disparition de ta fille. Regarde-toi. C'est assez évident que tu es une kidnappeuse. Hey. Hein? Regarde-la. Donc tu veux être riche. Hey. Et t'as ni ou ego. Tu veux devenir riche. Tu veux vendre ma fille. Vendre ma fille pour devenir riche. Hein? Hey. Rends-moi ma fille, s'il te plaît. Rends-moi ma Ebere. C'est mon unique enfant, s'il te plaît. Ramène-la pour moi. Je t'aurais prévenu. Oh. Je t'aurais prévenu. 2 semaines pour que tu puisses me la ramener. Ramène-la-moi, s'il te plaît. Oh, père, tu vois. Oh. Tu sais ce qui se... Père, toi seul sais si j'ai quelque chose à voir dans cette affaire. Tu sais que c'est pas facile pour moi. Père éternel, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Peu importe où vient cette conspiration. Mon Dieu, que ton Saint-Esprit détruise tous ces maléfices. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie, madame. J'ai fait mon mieux, j'ai fouillé partout. Mais la petite n'est nulle part. Je vous en prie, donnez-moi encore un peu de temps, s'il vous plaît. Madame, nous savons tous les deux que vous détenez cette gamine chez vous. Non. Vous l'avez kidnappée pour vos ambitions ritualistes. Écoutez, madame, vous devez rendre cette fille durant les prochains jours, ok? S'il vous plaît, madame, ayez pitié de ma tante. Elle est innocente et ne sait rien de cette disparition. Tu t'imagines? Si ta tante est innocente, ça veut dire que nous sommes coupables, n'est-ce pas? Non. S'il vous plaît, madame, nous vous demandons seulement juste quelques jours de plus, pardon. Écoutez-moi très attentivement, ok? La loi a dit, pas moi, ni mon mari. Donc, comme vous pouvez le voir, on n'y peut rien. Vous devez juste ramener la fille, sinon vous allez mourir. Madame, je pense qu'il est temps pour vous deux de partir. Oui, allez. Chut. Levez-vous. Je suis innocente. Oh. Allez-vous-en. Je suis innocente. Ah, devrait faire gaffe à qui il ouvre je le portail. Je ne sais rien de tout ça, je suis innocente. Chérie, je serai à l'intérieur. Tio. Oui, tante. Sais-tu que cette idiote était ici hier? Elle a eu le courage et le toupet de venir ici. Juste pour se moquer de Tantine, moi. Tantine, qui est cette idiote? Ah ah, Madame Laurence, bien sûr. Mais je croyais qu'elle était ton amie. Oui, bien sûr. Ça, c'était avant qu'elle ne kidnappe ma fille. Oui, elle n'est plus mon amie. Tantine, mon estomac me dit qu'elle... qu'elle pourrait être innocente. Donc quoi? Oya, va-t'en. Elle est là. Dégage. Tante, mais je donnais juste mon avis. Dégage. Je donnais ton juste estomac. Mon avis. Va-t'en. Je donnais juste mon avis. Après avoir kidnappé ma fille, elle est innocente. Va-t'en. Tantine. La police est arrivée à la maison ce matin et a arrêté ma tante. Allez à la station de police et dites-leur qu'elle est innocente, s'il vous plaît. S'il vous plaît, libérez ma tante, s'il vous plaît. Elle est votre amie. Et puis quoi? Et puis quoi si elle est mon amie? Donc je devais oublier mon unique fille, hein? Mon unique enfant parce qu'elle est mon amie, hein? N'étais-tu pas présente quand je suis venue chez vous l'autre jour? Pour lui demander de me rendre ma fille? N'étais-tu pas là? N'étais-tu pas là? Maintenant tu viens me dire, elle est innocente, elle est innocente. La police lui a donné 2 jours pour me ramener ma fille. 2 semaines, elle me ramène ma fille, mon ébéré à moi. Alors pourquoi es-tu venue pleurer ici? Cette maison elle est d'une station de police, hein? J'ai l'aide d'une officier de police. Réponds, pas pleurer au poste de police. S'il te plaît, ne reviens plus me déranger ici. Va dire à ta kidnappeuse de tente de me ramener ma fille. N'importe quoi. Quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Va voir ta kidnappeuse de tente. Dis-lui de me ramener ma fille. N'importe quoi. Ne t'en fais pas. Calme-toi. Calme-toi. Mais ma tante est innocente. Je sais, je sais. Mon estomac dit que ta tante pourrait être innocente.
Juste calme-toi. Un jour, je sais que le Seigneur lui fera justice. Cesse de pleurer. Ah! Reviens! Aidez-moi! Aidez-moi! Reviens! Aidez-moi! Mon oncle! Mon oncle, aide-moi, s'il te plaît! Aide-moi, mon oncle! Pardon, mon oncle, s'il te plaît! Aide-moi! Mon oncle, pardon! Dieu, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? J'ai perdu mon mari étant très jeune. Et Béré, ma fille adorée, mon unique trésor. Où vais-je te trouver? Mon unique enfant éberré, mon trésor, ma seule et unique fille, mon seul enfant a été kidnappé. Kidnappé par ma meilleure amie, ma chère amie Dioma. Grand maître! Grand maître, où êtes-vous? Aidez-moi, grand maître! Grand maître! Grand maître, où êtes-vous? Ils l'ont kidnappé pour des rituels. Eh, bébé, oh! Oh Dieu, quel monde méchant! Béré, où es-tu? Béré, oh, où es-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? S'il s'agit de Béré, tu ne vas pas pleurer toute la journée. C'est pas comme si tu avais tout perdu. Je suis encore là pour toi. Hein? Sœur, Dieu est la solution à tout. Rien ne lui est impossible. Choma. Héberé! Ma soeur, calme-toi. Tu vas me faire pleurer. Tu vas me faire pleurer. Héberé, Thomas. Mon unique enfant, Héberé. Tous ceux qui ont quelque chose à voir avec ma fille, le Seigneur ne vous laissera pas partir. Je connais mon Dieu. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Je connais mon Dieu, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Même si la justice des hommes ne vous condamne pas, la justice de Dieu vous condamnera. Tu m'as rendu sans enfant. Oh mon Dieu, tu m'as pris mon seul et unique enfant. Tu m'as pris mon seul et unique trésor. Oh non. Dieu, où es-tu? Mon Dieu, juge-les. Mais calme-toi. Ne penses-tu pas que tu amènes cette situation un peu trop loin? Calme-toi, tante. As-tu perdu la foi en Dieu? Ne penses-tu pas qu'il pourrait encore faire quelque chose? Écoute, notre Dieu est un Dieu mystérieux et il travaille de façon mystérieuse. C'est un Dieu qui fait vraiment des merveilles. Sois forte. Tu dois avoir la foi.
Tu dois avoir la foi. Sans faute. Calme-toi. Tout ira bien. Tout ira bien. Maman. Ma tante. Héberé. Maman. Tu vois qui est-ce? Héberé. Maman. Héberé. Maman. Héberé. Héberé, ma fille. Héberé. Héberé. Héberé, ma fille. C'est à moi, cherchez partout. Héberé, ma fille. Oh mon Dieu. Héberé. Héberé, où étais-tu? Je ne peux pas le croire. Ma fille, Héberé, oh. C'est un miracle. Héberé. Héberé. Héberé, où étais-tu? Héberé. Hé, hey, ma fille, Héberé. Mon Dieu, merci, oh. Merci, oh. Héberé. Héberé. Ma fille, Héberé. Héberé. Hé, hey, ma fille, Héberé. Seigneur, merci, oh. Merci, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Seigneur, grand merci. Mon Dieu. Je t'avais dit qu'elle rentrerait. Mon Dieu. Mon Dieu. Héberé. Vous cherchez. Héberé. Fouillez pas tout. S'il te plaît, pardonne-moi. Qui est-ce que tu supplies? Genre, je ne comprends pas. S'il te plaît, aide-moi à la supplier, s'il te plaît. Qui supplies-tu? Ce n'était pas intentionnel. Elle a été tuée pour que je sois riche. Elle est morte à cause de moi. Elle est morte pour que je devienne riche. Qui est morte à cause de toi? S'il te plaît, pardonne-moi. Mais ma sœur, tu ne la vois pas? Je ne vois personne. Comme ça, tu es un rituel. S'il te plaît, je te supplie. Pardonne-moi. Ce n'était pas intentionnel. Tu as tué ta propre sœur pour devenir riche. Ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, j'ignorais que je vivais avec un ritualiste depuis tout ce temps. Oh. Pitié, pardonne-moi. Oh. Hey. Comment as-tu pu être aussi égoïste? Pardonne-moi. Hey, pitié, petite sœur, s'il te plaît. Pardonne-moi. Donc tu as tué ta propre sœur? J'ignorais que je vivais avec un ritualiste. Donc tu es un ritualiste? Elle est partie. Donc je vivais avec un ritualiste dans cette maison. Qu'est-ce que ça fait de tuer? Comment? J'espère qu'un jour tu ne me tueras pas aussi. Je suis désolée, ma chérie. Un ritualiste? Je suis vraiment désolée. Donc tu pourras avoir de l'argent? Désolée. J'espère que tu m'as pardonné. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ne me tue pas, elle a un bâton, s'il te plaît, ne me tue qui? Pas. Ne me tue... Qui? Je vais confesser, je vais dire la vérité. De quoi tu parles? Quelle vérité? J'ai tué Suzanne. J'ai tué Suzanne. T'as fait quoi? Je t'aimais, je voulais devenir ta femme, donc je l'ai tuée. Je suis désolée, Suzanne, s'il te plaît, ne me tue pas. La ferme! J'aurais dû m'en douter. N'es-tu pas un ritualiste? Mais je suis désolée. Je suis désolée, j'avoue que je l'ai tué, mais je suis désolée. Je m'en veux à présent. Oh, j'ignorais que tu étais un ritualiste. J'espère que tu ne me tueras pas un jour. Suzanne, où que tu sois, pardonne-moi, pitié. S'il te plaît, ne reviens plus jamais, s'il te plaît. J'ai tellement peur, je ne peux même pas aller à l'intérieur, je ne sais pas quoi faire. Rema Karachi. Rema Samakara. Rema Samakara. Ekon. Qu'est-ce que tu cherches cette fois-ci? Je te le demande. Rema Samakara. Rema Samakara. Maintenant, montre-toi. Alors, comme ça, tu es venu me défier. Il ne m'a fallu d'un rien pour détruire ta chair. Et cela ne me coûtera rien de détruire ton fantôme. En fin de compte, tu n'auras pas du tout de place dans le royaume des esprits et même dans le royaume des hommes. Vous croyez? Je vais vous détruire maintenant. Non.
Ma sœur Ijoma. Ijoma, pardonne-moi, s'il te plaît. Ijoma, s'il te plaît, pardonne-moi. Ijebi Kono. Ijoma, je t'ai fait du mal. Je t'ai fait du mal. Je t'en prie, ma sœur, pardonne-moi. 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 S'il te plaît, cherche une place dans ton cœur. Cherche une place dans ton cœur et pardonne-moi. Ijoma. Ijoma, mon seul enfant. Ma seule fille avait disparu. Je t'en supplie, pardonne-moi. Oh. Tu sais quoi, je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être en vie pour voir tout ceci. Noma, si j'étais morte, si j'étais morte comme le voulait la cour, serais-tu venue devant ma tombe pour demander des excuses? Je t'en supplie. Ah, Noma, dégage d'ici avant de déclencher ma colère. Dégage, sors d'ici, fous le camp. Ijoma, s'il te plaît. S'il te plaît, ma tante. Je t'en supplie, ma tante. Trouve une place dans ton cœur et pardonne à ma mère. La Bible dit que l'erreur est humaine et le pardon est divin. S'il te plaît, ma tante, excuse-la. Noma, tu ne suis plus une ritualiste. Noma, c'est la sorcière que tu supplies. Tu l'as peut-être oubliée. Noma, tu m'as traité de ritualiste. Après tout ce que j'ai fait pour ta fille et toi. Noma, tu as trouvé l'opportunité de m'accuser après tout ce que j'ai fait pour toi. Noma, oh mon Dieu. J'ai une confession à faire. S'il vous plaît, madame, pardonnez-moi, madame. J'ai fait ce qui est mal devant Dieu et les hommes. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.